Olympique Lyonnais face à Benfica. Allez, c'est parti pour la première période de ce match. C'est la première période du premier match, cette première phase. Moi, j'ai à l'école, j'ai jamais été premier. Je vous laisse découvrir la composition de l'Olympique Lyonnais aujourd'hui. Alors, tactiquement, l'entraîneur a choisi un 4-3-3. L'avantage du système, c'est à la fois d'avoir la maîtrise au milieu et de pouvoir exploiter toute la largeur en attaque. Il prend sa chance. Corner pour Benfica. Il a cherché le point de pénalty sur ce corner. Une fausse alerte finalement. Voilà, je ne sais pas ce qu'il avait en tête. Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Ouais, il est bien placé pour centrer. André Almeida. Ils ont décidé de poser le jeu, d'attendre le bon moment pour tenter une percée. Ouais, ils ont vraiment la main mise sur le ballon et ils le montrent. Ouais, il a anticipé avec un tir. Et dans le tir qui est contré. Un ballon facile pour le gardien. Ah, c'est dangereux avec cette tête. Diop. Ouais, on passe par les côtés. Il cherche un coéquipier dans la surface. Ouais, le gardien qui s'impose sur ce centre. Maxwell Cornet. Diop. Et voilà, il est l'ouverture du score dans cette rencontre. Et ça, c'est un but qui va tout changer. On attend forcément une réaction du côté d'en face. Mais il va falloir voir comment tout ça va être géré maintenant. On va être vite fixé, Pierre. On revoit le joueur qui échappe à la défense et qui vient tromper le gardien. Un exploit individuel, belle preuve de sang-froid dans le dernier geste. Et l'OL qui est devant au tableau d'affichage. Grimaldo. Andrea Samaris. Et il a toujours le ballon. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire hein, qui récupère. Le premier match de l'UEFA Ligue des Champions qui marque le vrai départ de la saison de foot. Ouais, on peut dire que c'est là. Oh, c'est bien donné en profondeur. Aucun problème pour le gardien. Bien anticipé. Pizzi. On voit Samaris. Diop, de paille. Ah, la passe en profondeur, attention. Il va y aller. Ouais, bien joué le gardien. Rafa. On voit Samaris. Et ça sort en touche. Pizzi. André Almeida, ouais, il a le temps de centrer. Sekirovic, le but! Le but qui remet les deux équipes à égalité! Et ben voilà, on revient au point de départ en fait. Belle conclusion en force sur la droite, beaucoup de sang-froid sur ce but. Allez, tout est à refaire, un but partout. Diop. Maxwell Cornet. Enfin, on le voit Samaris. Ruben Dias. Et ils sont à la récupération. Est-ce que vous avez un favori, Pierre, pour ce match? Non, Hervé, non. Franchement, non. Je m'attends à un match serré avec des joueurs lyonnais qui connaissent la qualité de leur adversaire. Un vilain passe directement à l'adversaire. Seferovic. Il choisit la frappe. Ah, c'est dommage, vraiment. Ouais, ça manque de précision, quoi. Lucas Touzard. Ouais, bien taclé. Le ballon qui n'est pour personne. Seferovic. Et la voilà, la frappe. Le défenseur qui contre ce ballon.
On voit bien qu'ils ne se précipitent pas sur le but adverse, qu'ils prennent leur temps. Ça y est, c'est la mi-temps. Première période équilibrée hein, au niveau du score, un partout. Allez, début à l'instant de la seconde période. Encore 45 minutes à jouer, Hervé, dans ce premier match de groupe. Oh, ça m'arrive. Rafa. Oh oui, encore une bonne passe. Et il est toujours aussi précis dans ses transmissions. Seferovic. Maxwell Cornet. Lucas Tuzar. De paille. Attention, ils peuvent prendre l'avantage. Oh, le but! L'équipe qui prend l'avantage contre le cours du jeu. Et pourtant, là, on a une équipe qui n'a pas proposé grand-chose dans ce match. Maintenant, il va falloir tenir. On voit sur le ralenti que le gardien touche le ballon, hein, Pierre. Oui, finalement, il n'était pas loin de l'arrêter, mais c'est rentré. Et sur ce ralenti, c'est un autre angle qui nous est proposé. Ça va être intéressant. Les Lyonnais qui mènent. Pizzi. Pizzi. Allez, il a de la place dans le couloir. Diop. De paille. Ouais, il y va tout seul, énorme occasion. Ouais, le ballon piqué. Et ce ballon qui file jusqu'au gardien. L'action qui n'ira pas plus loin. Et ce ballon est intercepté. Attention, ça peut être dangereux. André Almeida. Pizzi. Ah oui, la bonne passe. Ouais, bel appel de balle. Seferovic. Benfica obtient le corner. Un corner bien tiré au niveau du point de pénalty. Finalement, ce ballon qui n'est même pas cadré. Les premières fêches. La remise directe aussi bien vue. Ouais, bonne sortie du gardien. Ouais, ouais, fallait y aller sur ce ballon. Hein. Anthony Lopez. Très mal donné hein, ce ballon. Seferovic. Grimaldo. Francisco Ferreira. Rafa. On voit Samaris. Le centre vers ses coéquipiers. Oh non! Oh, quelle occasion manquée! C'est l'égalisation là qu'ils viennent de rater d'un cheveu. Oh, c'est une sacrée occasion quand même, Hervé. Le match n'est pas terminé, mais là vraiment c'est nul. Hein. Marcelo. De paille. Et une qualité. Ouais, lumineuse cette passe. Oui, dans la course. Le tir. Allez, il faut s'appliquer pour centrer. Alors qu'on entre dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. La passe qui trouve un joueur de l'équipe adverse. Rafa. On fait tourner. En essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire pour placer une flèche. Grimaldo. Francisco Ferreira. Rafa. Ouais, il a le temps de centrer. La boîte, il y a du monde.
ce centre qui ne donne un joueur qui se rate complètement. Les précipitations, c'est dommage, c'est quand même un ballon important. Un joueur de Benfica va être remplacé, Pierre. Ah, c'était la meilleure chose à faire, en tout cas c'est ce que pense l'entraîneur. La dernière minute avant le temps additionnel. On jouera 2 minutes de temps additionnel. Ils vont essayer d'égaliser sur ce ballon, certainement l'un des derniers de ce match. Gabriel, et il dégage. Voilà, l'arbitre siffle à l'instant la fin de ce match. Et belle victoire pour cette formation, Pierre. Un début idéal dans cette phase de groupe, premier match et première victoire.